Hey tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, on va se faire vite fait les runes de luxe avec leur boss. Donc, les runes de luxe sont plus haut. On va partir du grand ascenseur de Dectus ici. Attention aux parties de Dectus. Hein. Donc, vous mettez bien sur le plateau de Dectus. Hop, on passe devant le golem ici. On prend à gauche toute et on fonce tout droit. Allons-y. Bon, je la fais en speedrun. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est on reste sur les ruines, on va direct au boss, on tue le boss et on s'en va. César, il me semble, disait « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. » J'espère que ça va pas être « Je suis venu, je me suis raté et j'ai crevé. » Vous continuez toujours tout droit et là, hop, vous arrivez direct sur les ruines. Donc on va passer ici sur le côté gauche pour éviter les mobs. Ruine de luxe, vous voyez. On passe à travers le bâtiment. Hop, on continue et ici, vous avez la porte avec le boss. Donc vous descendez direct parce que vous avez peut-être des mobs qui vous suivent. Et on rentre. En direct, c'est tout simple. Traverser le brouillard. Allez, quand ça veut. Ah, ok. Ok, on a donc la reine semi-humaine qui nous attend. Hop. Alors, elle a pas de bol, elle prend un crit à 2074 et un deuxième à 2190. Elle a pris deux crits, elle est morte. Bon, c'est peut-être pas des choses que vous allez pouvoir faire comme ça. Il y a peut-être une stratégie à respecter, je m'en excuse. Normalement, elle aurait pas dû prendre deux crits de rang. Hein. C'est extrêmement rare que ça arrive. Mais c'est comme ça, c'est arrivé. Ok. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le coffre? Le talisman d'épirituel. Alors ça, c'est un talisman qui augmente votre puissance d'attaque quand vous êtes full life. Ok. Allez, bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Bye bye.